vous lis le mot. Alors, Emmaüs. Bon, Emmaüs, ben, écoutez, quand on est... Alors, il y a plusieurs choses. Hein. C'est soit... soit les réminiscences chrétiennes, hein, donc voilà, mais je pense que c'est, je pense que ce n'est pas le lieu, hein, donc avec les promeneurs d'Emmaüs, sinon ça fait référence donc au social, hein, donc c'est, j'ai travaillé notamment dans le premier mandat sur un collectif logement. Voilà, mais cette communauté de façon à faire des logements réversibles, hein, pour personnes en situation de difficulté, et j'avais un projet aussi de réversibilité avec tous les six mois des personnes en logement d'urgence et des personnes pour des saisonniers. Voilà, je pense que puis après, donc après, c'est des gens qui s'occupent évidemment, cette société, enfin cette communauté s'occupe évidemment beaucoup de social, et voilà, donc c'est une société avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai des liens. Famille. En famille, c'est important, donc voilà, bon, il y a sa famille, hein, bien sûr, qui est quelque chose d'important. Il y a peut-être la famille politique, et puis on va peut-être en restant au niveau de la municipalité, la politique de la famille. Alors peut-être qu'au niveau de la politique de la famille, c'est plutôt au niveau du centre social, hein, je vais l'aborder comme ça, plutôt au niveau du centre social et des maisons des habitants, où on traite de façon globale ben, la famille. On accueille c'est multigénérationnel, et donc le centre social au niveau de la Teste a plusieurs pôles, et donc que ça soit au niveau de... Voilà, donc je vois qu'il faut que j'aille plus vite. HLM. Ah ben décidément, on aurait... Allez-y encore pour celui-là. Oui. Écoutez, HLM, donc on reste dans le social, donc comme je vous disais, en tant qu'adjoint social, c'est quelque chose qui m'est évidemment très 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 cher. Il y a 70% de la population testerine qui a droit donc aux logements sociaux, et au niveau de la Teste, nous avons 13,75% de logements sociaux, et donc avec quasiment 2000 logements dans la ville, c'est quelque chose qui est très très important, puisque nous avons évidemment le vivre ensemble et un parcours résidentiel à effectuer. Mais écoutez, je vais vous parler de la Teste de Buch, hein, une des plus grandes communes de France. 92% de son territoire est classé, 26 000 hectares, avec trois entités. On est à Pila, on est à Cazaux, on est à la Teste Centre, donc avec aussi le port. Donc c'est une ville plurimotionnelle, très très riche, deuxième bassin d'emploi après l'agglomération bordelaise, avec des sites naturels très très importants, puisque nous avons à la fois le lac, nous avons les cabanes Chanquet, le banc d'Arguin, voilà, ben, avec des problématiques aussi très importantes entre l'érosion, la submersion, le retrait du trait de côte. Donc vous voyez que le travail d'un maire est quand même quelque chose de très très important, et vous comprendrez évidemment que je travaille beaucoup, hein, on le dit, et que je suis excessivement présent sur ce territoire.